Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des bouquets garnis. Donc c'est une solution anti-gaspi idéale puisqu'on va pouvoir utiliser nos verres de poireaux et puis on peut en faire pas mal d'avance puisqu'on peut les congeler. Allez, on regarde ça tout de suite plus en détail. Alors les ingrédients de base pour réaliser notre bouquet garni, du poireau, du persil, du céleri, du laurier et du thym. Après on va faire un petit fagot et on va lier tout ça avec de la ficelle de ménage. On va en faire pas mal d'avance et on pourra tout mettre au congèle et les sortir quand on en aura besoin. Ainsi, on a toujours un bouquet garni sous la main quand on en a besoin. On a des verres de poireau. Vous avez vu, ils sont un peu mous, tout simplement parce que je les ai mis une minute dans l'eau bouillante. Ça permettra de les travailler beaucoup plus facilement. Pour faire des fagots, pour les replier, si on le fait avec des verres qui sont des verres de poireaux qui sont pas blanchis, ça va casser, ça va craquer, ça sera quand même beaucoup moins pratique. Donc on va y mettre ceci à l'intérieur. Persil, un peu de céleri, une feuille de laurier et du thym. On plie tout ça en fagot, on le met à l'intérieur, on replie ici, on replie là, et ici, on tourne. Il ne nous reste plus qu'à ficeler tout ça. Hop, donc on fait comme ceci, on tourne ici, une fois, on tourne deux fois, on tourne trois fois. On serre et on tourne comme ça. Ça nous permet de faire le nœud tranquillement. Et voilà. Voilà, en 5 minutes, on vient de réaliser 9 bouquets garnis. Il ne nous reste plus qu'à congeler tout ça et on pourra les sortir quand on en aura besoin. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué, hein. Et ben voilà, je suis content de vous avoir partagé cette petite astuce pratique et anti-gaspi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.